Eh bien, bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo, donc pour la chaîne Assaut 40K, le nouveau rapport de bataille de juillet, donc en avance sur la chaîne. Donc, rapport de bataille Seigneur des Anneaux, je suis en compagnie de Charlie, salut à toi. Salut. Et je suis en compagnie aussi de Thomas, salut. Salut. Donc, Charlie va jouer Minas Tirith, je vais jouer Mordor, et Thomas va jouer Elro. Bon, excusez-nous pour les armées peintes. Hein, bah moi la mienne, ça va. On n'a pas d'excuses en fait. J'ai un régiment peint, ok, donc ta gueule. Non, mais c'est que les miens, les deux autres unités, je les ai eues hier. Donc j'ai pas eu le temps d'en peindre. Et lui, déjà, c'est bien qu'il soit peint. Déjà. Si, ok. En fait, il y a que Minas Tirith où il y a un peu de couleur dessus, mais voilà. Ça ressemble à rien. Donc on passe directement à la présentation d'armée. On commence par celle de Charlie. Donc j'ai 9 archers de Minas Tirith, tout au fond. Tout au fond. Et deux unités de 5 guerriers avec épée et bouclier et... arme de base. Oui, arme de base. Donc bouclier. Une où il y a 4 lanciers et une où il y en a 5. D'accord. Donc moi, ça va être très simple. J'ai en QG le traître, donc Nazgûl assez puissante, mais qui a rien fait, enfin à l'autre partie qu'on a testée. Un pack de guerriers du Mordor, enfin orques du Mordor, avec en tout 5 lanciers et 5 épéistes. Un pack de orques archers du Mordor avec 5 archers du Mordor. Un pack donc avec 5 épéistes et 5 lanciers du Mordor. Et là, pareil, 5 épéistes, 5 lanciers du Mordor. Donc on passe à la présentation d'armée de Thomas. Donc moi j'ai 7 archers, 3 épéistes et 3 lanciers. Ensuite 4 épéistes et 4 lanciers. Et au fond, au fond j'ai 6 cavaliers, dont 2 lanciers. Deux archers et deux épéistes. Voilà. Donc on passe directement à la prise d'initiative sur la magnifique table Seigneur des Anneaux. Bien, donc, les amis, donc fin de la prise d'initiative et des déploiements. Donc le Rouen est juste ici. Le Minas Tirith est juste ici. Et le Mordor s'est déployé. Voilà. Donc prise d'initiative pour le Mordor 2, donc j'aurai en dernier. Le Rouen 3 et Minas Tirith 6. Donc on se retrouve pour la fin du tour 1 de Minas Tirith. Donc fin du tour 1 pour Minas Tirith. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, donc phase de mouvement, guerrier de Minas Tirith ici, là, voilà. Se sont déplacés de 6, pareil là. Là les archers se sont déplacés de 3 et ont tiré sur les archers du Rouen. Et on fait 2 morts. D'accord. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve pour le tour 1 du Rouen. Donc salut. Donc pour le tour Rouen. Donc j'ai tiré avec mes archers sur eux et ça n'a pas marché. Voilà. Il n'a rien bougé d'autre. Passé. Donc on se retrouve pour la fin du tour 1 du Mordor. Donc fin du tour 1 du Mordor. Donc grosse phase de déplacement au niveau de mes orques. Eux vont commencer à prendre la rivière. J'ai réussi les 3 tests parce qu'il y en a 3 dans l'eau de ils nage. Ils sont pas noyés, c'est ils sont pas noyés. Eux continuent à avancer, toujours prudemment. Mes archers, là c'est marrant, ont fait feu contre ce pack. On voit pas très bien, pardon. Contre ce pack de guerriers du Rouen, on a tué un mec. Le traître continue à bouger. Ça marche. Et il va frapper comme un traître dans le dos de ses amis. C'est ça. C'est tout. Et c'est tout pour ce tour. Et tout de suite pour le tour 2 de Minas Tirith. Oui, mais en fait l'initiative a pas été au Gondor mais au Rouen, donc je me suis trompé. Donc Thomas, explique ton tour. J'ai avancé cette unité là et ils ont rien fait d'autre. Avec mes archers, j'ai tiré sur eux. Et j'ai fait un mort. Et ensuite j'ai déplacé mes 3 cavaliers. Qui ont passé la rivière. Qui ont passé la rivière et un est mort. Parce que j'ai mon orc qui l'a tué. Voilà. Un orc qui lui a fait hey guy Et puis il a fait un 1 sur son test pour tomber de son cheval. Et du coup il s'est fait écraser par le cheval. Donc voilà.
Donc, pour le tour du Mordor. Bien, donc, fin de mon tour, donc tour du Mordor. Je vais prendre l'accent à chaque fois que je veux dire Mordor. Grosse phase de mouvement encore du côté des orques. Donc, les orques qui étaient ici sont passés ici. Les orques qui étaient là ont traversé la rivière. Test de noyade, j'en ai un qui s'est noyé. Un qui est coulé au fond de la rivière et s'est fait emporter par le courant en dehors de la table. Ici, j'ai perdu aussi un mec. Voilà. Et j'ai tenté de taper. J'avais trois qui pouvaient pas frapper. Et j'ai tué un mec du roi. Et là-bas, j'ai tenté le corps à corps contre les chevaux de Rouen, enfin les cavaliers du Rouen. J'ai raté. Et c'est tout pour mon tour, je pense. Et j'ai tenté un trait de ténèbres sur la tronche des cavaliers, même si je risquais de tuer un orc, et il s'est rien passé. Parce que j'ai raté mon trait de ténèbres. Voilà. J'ai raté l'invocation du Seigneur des Anneaux. Bon. Donc fin de mon tour. Donc prise d'initiative, on l'a fait dès maintenant, non ? Non, c'est à moi de jouer. Ah oui, c'est vrai. On se retrouve pour le tour de Minas Tirith. Tour de Minas Tirith. Donc je fais une retraite stratégique pour anticiper sa charge ensuite des orques. Connard ! Comme ça, au prochain tour, quand il traversera la rivière qui sera bloquée, moi je pourrai le charger et avoir toutes mes attaques. Ici, j'ai déplacé, chargé le Rouen et j'ai fait 3 morts. Et là, les archers de Minas Tirith ont fait un mort chez les archers du Rouen. C'est une guerre du tir à l'arc. C'est ça. Donc, on se retrouve pour bah, on fait l'initiative. On fait l'initiative maintenant. Je prends le dé rouge pour le Mordor. Alors, blanc Minas Tirith, rouge Mordor et bleu Rouen. 3, bim, I shot. Et j'ai fait un 6. Fuck. Et j'ai fait un 2. Donc, Minas Tirith premier, 3, en deuxième, le Mordor, et en tout dernier, le Rouen. Ok. Bon, alors, fin du tour Minas Tirith, donc c'est le tour 3. 2. Non, 3. 3. 3. Donc, merde. Pour ma retraite anticipée. Bah, en fait, c'est raté ce que j'ai calculé. Donc, je vais encore attendre un tour. Ici, mes archers, ils ont fait que des 1, des 2 et des 3 pour toucher. Donc, autant dire que ça n'a rien fait. Et ceux-là, ils ont vu qu'ils étaient désengagés du corps à corps via leur massacre. Ils ont foncé sur les archers et ils les ont tous défoncés. Donc, joli tour du. Donc, tour du Mordor. Oui, tour du Mordor. Tour du Mordor. Bien, donc, les amis. Fin du tour 3 pour le Mordor. Donc, un petit tour catastrophique, je vais vous dire ça après pourquoi. Au niveau du corps à corps là-bas, j'ai complètement bousillé les Rouvans. Ici, j'ai fait des tests de noyade, j'ai perdu un homme. J'ai perdu un homme et là, un homme. Non, si, si, t'as perdu un homme. Un homme et un homme. Voilà. Corps à corps là-bas, le Rouen m'a attaqué et ils m'ont tué 2 archers sur 5. Bah, tourne un peu, montre. Montre le combat. Voilà, donc ils m'ont tué 2 archers sur 5. Et la grosse catastrophe, en essayant mon armée, donc comme j'étais plus nombreux, on s'est dit qu'ils allaient passer par la rivière pour un peu perdre des effectifs. Et mon Manasgul, le traître, a tenté de passer par la rivière. Et il s'est noyé. Ouais, voilà, il s'est noyé. J'ai tenté le point destin sur 5-6 pour qu'il revive. Et bah, il s'est noyé. Ouais. Donc le Nazgûl a été renvoyé chez son maître, le Seigneur des Anneaux, pour être un peu en réparation dans son garage. Garage à Nazgûl, il est en réparation. J'espère que mes ingénieurs orques le répareront très vite. Ça serait sympa. Et on passe direct à la prise d'initiative. Non, c'est tour du Gondor, t'as oublié tout. Ah oui, ben oui, mais t'es toujours dernier aussi. Non, tour du Gondor. Gondor. Rouen, d'accord. Donc tour du Rouen. Donc sur ce tour, j'ai avancé ma cavalerie, avancé cette unité et eux, ils sont restés là. Donc cette cavalerie a tué un homme. Oui. Un lancier. Celle-là, elle a tué 3 orques. Et de ce côté, j'ai perdu. J'ai fait une perte. Il a fait tomber le cavalier. Il est mort. Il s'est encore écrasé. C'est toujours un. C'est pas pire que mon Nazgûl, mais bon, c'est quand même. Voilà. Mon Nazgûl. Tête d'initiative maintenant. Ouais. Prenez tous vos dés. Pareil, Minas Tirith blanc, rouge Mordor et vert. On est très code couleur, sous 44. 3, 5
Bim, I shot. Donc ce sera Mordor, Gondor et ensuite Minas Tirith. Mordor, Gondor. Ouais. Ok. Donc c'est parti. Bien donc creux, donc c'est la fin du tout du Mordor. Donc je vais vous donc la dernière unité qui était de ce côté de la rive, sans compter les archers. Donc sont passés, j'ai eu 3 morts, donc qui sont noyés. L'unité d'ici a vaincu le Rouen, donc en tuant trois épéistes. Ici, le Minas Tirith m'a mis assez cher. J'ai 4 épéistes qui sont décédés sous les lames de Minas Tirith. Là-bas, mes archers ont continué le corps à corps contre l'unique survivant des cavaliers du Rouen. Donc, il a eu l'avantage pour me taper et il m'a tué personne. Voilà. Donc, c'est la fin du tour du Mordor. Et autour du Rouen. Du Rouen. Donc, c'était le tour du Rouen. Hein. Donc, Thomas, je te laisse expliquer. Donc, les Rouens se sont fait encore éclater. Il ne me reste plus que 2 soldats. Un cavalier et un avec une lance. Un mec qui est tombé. Donc, explique ton tour. Hein. Donc, j'ai 3 cavaliers ici. Et s'il y en a 2 qui sont morts et un qui est tombé de son cheval. Un qui s'est fait piétiner et un qui s'est pris de 2 coups de lance et qui est décédé sur le coup. Voilà. Et ensuite, de ce côté, ça n'a pas bougé. Toujours rien. Voilà. Pourtant, c'est toujours lui qui mène de ce côté, mais il n'y a rien. Non. Voilà. Donc ça, c'est le tour des Minas Tirith. Ouais. Alors voilà, fin du tour 4 Minas Tirith. Donc là-bas... Ah mince, on n'a pas fait le... Corps à corps. Le corps à corps, donc on va le faire. Il est tellement nul à chier que vous avez oublié de le faire. Voilà, allez, faites-le. Oh bah voilà. Bon, au revoir. Au revoir, petit bonhomme. Au revoir, petit Kinder. Voilà. C'est pas compliqué. En plus, il y avait double de touche, j'avais gagné. Donc, mes archers, les tireurs d'élite, alors là, ils ont fait 6 morts. Toutes les touches, tout pour blesser. Toute l'unité des pins en fait. Une unité entière d'orques qui restait. Pour toucher, les 8 sont passés pour blesser. Qui venaient en plus de gagner un combat contre le Rouen, ils étaient contents, ils se sont fait défoncer. Ouais. Et donc ici, les guerriers Minas Tirith qui ont gagné en faisant 2 morts chez le Mordor. Voilà. Donc on passe à la prise d'initiative. Donc toujours rouge Mordor, blanc Minas Tirith et vert. Oh, beam a shot. Fuck. Fuck! Vous relancez. Égalité, on relance. Donc ça sera le Gondor qui va commencer. Non, on relance. On a égalité, nous deux maintenant. Non, mais j'avais gagné. Ouais, c'est vrai. Donc ça sera premier tour Rouen, ensuite Gondor et ensuite Mordor. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai perdu encore un soldat, il ne me reste plus qu'un cavalier. Et j'ai quand même réussi à éliminer un archer des ordres. Des orques. Des orques. Des ogres. Ouais, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus gros, c'est sûr. Donc bah voilà, donc on passe au tour de Minas Tirith. Allez. Donc tour des Minas Tirith. Et oui, donc je reprends le contrôle. En fait, j'ai eu que 2 morts pendant la partie. Connard. Je vais te tuer. Donc ici, ils sont approchés afin de prendre en piège les derniers. S'ils essaient de fuir la rivière, bon bah je leur déconseille. Ils se feront fusiller par les archers. Qui eux se sont complètement ratés après avoir tué toute une escouade, ils ont bien besoin de se reposer. Et ceux-là, ils ont exterminé les 3 derniers petits orques qui se battaient. En duel. Voilà. Donc tour du Mordor. Oui, c'est ça. Donc fin du tour, du dernier tour, donc du Mordor, donc tour 5, on va arrêter la partie là-dessus, parce que ça sert un peu à rien de continuer. Donc j'ai chargé ici le Minas Tirith avec cette unité d'orques. Donc j'ai mis en déroute les Minas Tirith parce que j'ai gagné, mais j'ai pas réussi à leur infliger des dégâts. Là, les archers de l'autre côté ont attaqué le cavalier, donc sans succès. Et voilà, donc c'était la fin de la partie, donc je peux dire que c'est Minas Tirith qui a gagné. Oh bah oui, bah là, la dernière poche de résistance des orques. Voilà, donc ensuite, en deuxième position, il y a les orques. Et en dernière position, le Rouen. Qui... Avec un petit cavalier. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette partie? Point de vue, meilleure unité, tout ça? Moi, j'ai trouvé sympa. Niveau meilleure unité, je dirais mes archers. Ils ont éradiqué une de tes unités entières. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu proposes? Oui, c'est bien ça. Et pire unité, moi, je dirais ton Nazgûl qui s'est noyé.
Alors que c'est un général qui va souvent, qui vaut 120 points. Votre avis après ? Bah, moi j'ai trouvé la partie super sympa. On en avait fait une avant, celle-là était beaucoup mieux, elle était bidon. Ouais, donc j'ai pas mal joué, parce que je me suis pas fait défoncer comme à l'autre partie. J'ai tué pas mal de Rouen, donc je suis content d'avoir testé mon armée. Je suis juste déçu de pas avoir testé mon Asgul, quoi, parce que c'était un peu celui que je voulais tester, j'ai jamais joué avec. Enfin voilà. Donc, et toi, Thomas ? Moi, ouais, j'ai trouvé cette partie plutôt bien. Pour une de mes premières parties, ça m'a plu, ça va. Ouais, j'ai mon cavalier, ça va. J'ai bien aimé. Il a résisté. Il était tout seul. Et puis bon, ouais, bah, voilà. Et ta meilleure unité ? Le cavalier. Moi, meilleure unité, je sais pas, mes unités d'or corps à corps étaient pas mal. Et puis mes archers ont tué quelqu'un. Enfin, voilà. Ouais, ils ont tué une personne. Ah, génial. Bah, je pense que mes unités d'orques étaient tous ont été valeureux, même s'il y en a beaucoup qui sont morts par noyade. Voilà. Bon, bah. Ils ont tenu bon. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Et puis, passez voir le blog. Bon, bah, salut. Salut.